America is back. Momentum. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. C'est sous un tonnerre d'applaudissements qu'a été accueillie l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution signant la reconnaissance de la Palestine en qualité de 194e membre à part entière de l'organisation internationale. La résolution recommande au Conseil de sécurité de réexaminer favorablement cette question suite au veto des États-Unis. Rappelez-vous, c'était le 18 avril dernier. The United States voted no on this security. Les États-Unis ont voté contre cette résolution du Conseil de sécurité. Une fois de plus, les États-Unis continuent de soutenir fermement la solution des deux États. Ce vote ne reflète pas une opposition à la création d'un État palestinien, mais plutôt la reconnaissance du fait qu'elle ne peut résulter que de négociations directes entre les parties. En dépit de cette déclaration indiquant être favorable à la création d'un État palestinien, les États-Unis ont tout de même voté contre. Quoi qu'il en soit, et face à un appui massif, le représentant de l'entité d'occupation aux Nations Unies a, dans un esclandre coutumier, passé à la broyeuse la charte de l'ONU. Le vote destructeur d'aujourd'hui n'ouvre pas seulement les portes de l'ONU aux terroristes qui soutiennent l'autorité palestinienne. Regardez ce que vous faites. Vous déchirez la charte de l'ONU en morceaux. L'observateur permanent de l'État de Palestine a souligné l'importance de ce vote historique. Il a également condamné le geste du représentant de l'entité. C'est tellement insultant pour nous tous, pour la charte de l'ONU. Ceux qui se comportent de la sorte mettent à l'épreuve la patience de ceux qui souhaitent l'adhésion permanente de la Palestine. Avec nous en ligne à partir de Rome, monsieur Ricardo Cessa, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ambassadeur de l'Italie à Téhéran, Pékin et Belgrade, représentant permanent de votre pays, l'Italie, auprès de l'OTAN entre 2010 et 2013, directeur général pour la Méditerranée et la région du Proche-Orient au ministère des Affaires étrangères entre 2003 et 2006, actuellement président de la Société internationale pour l'Organisation internationale. Monsieur Ricardo Cessa, aujourd'hui, quel impact peuvent avoir les grands chamboulements internationaux, notamment sur la situation au Proche-Orient ? J'ai une vision, je ne veux pas dire pessimiste, de l'évolution de la communauté internationale, mais certainement, si nous pensons que nous sommes en fait à 81 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et j'estime que le monde est arrivé depuis quelques années à la fin de son chemin, comme les crises de ces dernières décennies un peu partout dans le monde le prouvent. Il y a un déficit de leadership qui est à l'origine de ces crises. Il y a un déficit de governance qui est à l'origine de ces crises. Et il y a naturellement toute une série de phénomènes qui le confirment. Le monde unipolaire a de tout temps, en tout cas par différentes parties, était contesté. Quand vous dites déficit de leadership, qui est visé par ce propos ? Tout le monde et personne en même temps. C'est un système qui est en crise. Aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs années, plusieurs décennies, au sein des experts de relations internationales, on ne parlait plus de monde unipolaire ou multipolaire. Assez rapidement, ce monde qui a été bâti et imaginé avec courage par nos grands-pères à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a montré ses limites.
parce que finalement, 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la collaboration qui s'était instaurée entre les Occidentaux et l'Union soviétique s'est effondrée. 1948 représente le premier passage difficile d'où tout commence. C'est le rideau de fer, c'est la guerre froide en Europe, mais à cette même allée-là, 1948 commence, et là vous voyez la tragédie, le conflit au Moyen-Orient entre Israël et les pays arabes. Nous sommes toujours en 1948. Nous sommes arrivés, après tant d'années, à quel point ? Nous sommes nulle part. Rien n'a été capable d'arrêter un phénomène en descente de crise internationale. Nous avons inventé un système multilatéral. Oui. Nous avons inventé une organisation internationale, les Nations Unies, mm-hmm. fantastique, avec des valeurs et des principes que tout le monde a acceptés finalement. Mais le fait que justement tout le monde ait accepté ces principes, et nous, quand nous allons vérifier qu'à l'intérieur des pays membres des Nations Unies, aujourd'hui 193, je crois, membres des Nations Unies, il y a des pays qui ne peuvent absolument pas accepter les valeurs et les principes des Nations Unies. Le multilatéralisme est entré en crise. Est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur Ricardo, c'est ça qu'après plusieurs décennies, après la Deuxième Guerre mondiale, après ce qui a été conclu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est avéré aujourd'hui que l'Organisation des Nations Unies, face à son incapacité de stopper des guerres telles que cela est le cas aujourd'hui au Moyen-Orient, son incapacité de faire appliquer des résolutions, elle devient une sorte de ventre mou. Les valeurs, les principes qui sont à la base des Nations Unies sont toujours très actuels. Ce qui est entré en crise et qui a mis en crise le système, de façon que vous, mais vous n'êtes pas la seule, vous pouvez parler ou imaginer un ventre mou de la communauté internationale, ce sont les méthodes des Nations Unies pour arrêter les crises et surtout pour résoudre de façon pacifique les crises internationales, le processus de décision pour résoudre des crises. Quand, à l'intérieur d'une organisation qui compte aujourd'hui, comme je vous disais, 193 États, oui. un seul, peut bloquer la volonté de tous les autres. Oui. Il est évident que si cela pouvait s'imaginer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, ce n'est absolument plus valable. Revenons à ce que nous disions tout à l'heure en parlant de l'Organisation des Nations Unies. Vous nous disiez qu'un seul pays, oui. a, on va dire, droit de regard sur ce qui se passe. Oui. Et vous avez été, je comprends très bien votre réaction, offusqué par l'expression « ventre mou ». Toutefois, comment considérer et comment avez-vous jugé ou avez-vous apprécié le fait que le représentant d'un seul pays se lève à la tribune des Nations Unies et déchire dans un broyeur, la charte des Nations Unies, sans qu'aucun pays ne conteste cet acte. Écoutez, vous savez, malheureusement, dans la vie, la faute n'est jamais d'un seul côté, ou la responsabilité n'est jamais d'un seul côté. Et dans cette tragédie qui se joue ces jours-ci, ces mois-ci, au Moyen-Orient, encore une fois, qui, comme je vous disais, a commencé en 1948. Chacun doit prendre ses responsabilités et les reconnaître. Le geste a été un geste malheureux. Condamnable, monsieur Ricardo Cessa ? Bien sûr. Vous savez, regardez où nous en sommes maintenant. Des dizaines de milliers de gens qui meurent d'un côté, sûrement, mais d'autres qui meurent aussi de l'autre côté. Tout de même, monsieur Ricardo, c'est ça. Nous avons d'un côté des Palestiniens qui sont au nombre de 37 000 qui meurent de la façon la plus brutale quotidiennement. Nous avons des populations entières qui sont déportées. Et c'est l'ONU, à travers ses envoyés, qui condamne ce qui se produit. De l'autre côté, nous avons également des populations qui manifestent contre le gouvernement hautement sioniste. Nous connaissons bien cette tragédie, vous savez. Ce qui est important maintenant, c'est que vraiment tous ceux qui ont la possibilité de passer des messages doivent agir. Il faut qu'ils le fassent le plus vite possible, naturellement avec le maximum de discrétion.
Les blocs se constituent et sont créés, ce qui a jusqu'alors été souhaité, à savoir la sortie d'un monde unipolaire, semble se créer. Nous avons maintenant des protagonistes et des antagonistes, monsieur Ricardo Cessa. Cela dépend évidemment de quel côté de la barrière l'on se situe. Aujourd'hui, l'on parle une nouvelle fois des pays du Sud, de regroupement. Vous avez été ambassadeur de votre pays, l'Italie, à Téhéran et à Pékin. Comment réagissez-vous à ce que certains qualifient de nouvel ordre mondial ? Vous savez, moi, d'après mon expérience professionnelle sur le terrain, même dans ma position actuelle, nous réfléchissons et travaillons beaucoup sur ces scénarios. Oui. Les grandes, soi-disant grandes puissances industrialisées, en 1975-76, ont inventé d'abord un G5, ensuite devenu G7, ensuite devenu G8 avec la Russie, duquel la Russie a été éjectée. Oui, lors de la crise de Crimée en 2014. Absolument. Mais à cette époque-là, sûrement, les pays membres du G7 avaient un quota très important de pouvoir. Aujourd'hui, en 2024, quelle est la situation? Assez rapidement, nous avons assisté à la naissance d'un groupe, le G20, avec la participation d'un nombre très important de pays qui représentait le 60% de la population mondiale, des pourcentages très importants dans le commerce international et dans le produit lourd, et donc qui avaient le droit d'être pris en considération et qui ont tout de suite demandé à être écoutés. Uh-huh. Et ce qu'on appelle BRICS, c'est la confirmation que tous les regroupements qu'on avait imaginés, toutes les formules qu'on avait imaginées en 1945 ont explosé. Il y a ce qu'on appelle, entre experts, des nouveaux alignements. Oui. Entre États. Une gouvernance intelligente doit en tenir compte. Aujourd'hui, si on veut arrêter ou essayer d'arrêter la guerre avec l'Ukraine ou au Moyen-Orient, il est évident qu'il faut que quelqu'un puisse parler avec la Russie, mais aussi la Chine, mais aussi la Turquie, mais aussi l'Arabie Saoudite. Moi, j'estime que les Européens, et parmi les Européens, certains Européens, qui ont toujours eu une bonne écoute avec tous ces pays, devraient jouer un rôle beaucoup plus actif. Le rôle le plus actif se joue en fonction d'intérêts politiques ou d'intérêts financiers. Vous parliez du G20. Le G20 regroupe les pays les plus industrialisés, les pays les plus riches. Non, les plus riches. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, l'intérêt économique, financier, et donc, par conséquent, politique. Des intérêts politiques à la stabilité, à la sécurité, miner toute possibilité de crise ou de guerre. Les BRICS, par exemple, oui. Ils ne sont pas tous très riches. Hein. Mais ils exercent une influence, quelle que soit cette influence. Pardon ? Ces pays, s'ils ont été choisis pour faire partie des BRICS, c'est qu'ils exercent une influence. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faut tenir compte que les cartes qu'on avait en 1945 ne sont plus les mêmes, ou mieux encore, ne nous permettent pas et ne permettent pas à la communauté internationale de jouer au même jeu. Et alors, vous savez ce que j'ai imaginé, que le monde est revenu brutalement au point de départ. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous sommes revenus en arrière, à une vitesse incroyable. Le monde entier est sur un bus sans chauffeur. Je vous confie cette remarque que j'ai malheureusement dans ma tête depuis longtemps. Oui. C'est ça le problème, vous savez. On a oublié l'importance d'instruments très vieux, très anciens, comme la diplomatie. La diplomatie, c'est la discrétion totale. La diplomatie requiert des plongeurs, requiert des sous-marins, et non pas les soi-disant social, Instagram,
TikTok, WhatsApp, parce que ça ne sert à rien. Au contraire, ça complique énormément les choses. Enfin, ce sont des plateformes qui aujourd'hui sont utilisées par les dirigeants politiques, Monsieur Ricardo, c'est ça? Eh bien, c'est pour ça. Moi, je me permets, en tant que contribuable, de souligner cet aspect. Comme ça, ça ne marche pas. Vous avez évoqué un code de conduite, le code de conduite de la diplomatie. Vous avez schématisé votre propos en parlant d'un bus sans chauffeur. Oui. Est-ce que ce chauffeur qui a été jusqu'à aujourd'hui les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui ont conduit la politique étrangère... Moi, croyez-moi, de ce que vous pouvez imaginer. Mais enfin, disons que sûrement, dans le soi-disant monde occidental... Les États-Unis, jusqu'à un certain moment, étaient sûrement le chauffeur de ce bus. Ensuite, les chauffeurs ont changé. Il y avait une sorte d'entente de façon à changer de temps en temps le chauffeur. Aujourd'hui, cette entente a été cassée et il n'y a pas de chauffeur. Ou mieux, tout le monde pense qu'il puisse être le chauffeur, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Monsieur Ricardo Cessa, vous avez été représentant de votre pays, l'Italie, au Conseil Atlantique de l'OTAN. Est-ce que, au Moyen-Orient, les dés pourraient être joués autrement? Les dés pourraient être joués autrement partout dans le monde, soit au nord qu'au sud. Forcément. Forcément. La Turquie est sûrement un grand acteur régional qui peut jouer un grand rôle. Mais surtout, vous voyez, il faut tenir, avoir présent à l'esprit que la situation de la sécurité sur le plan international a un clivage, si vous voulez, qui part très haut dans l'Arctique, qui descend jusqu'à la mer Noire, qui traverse les Balkans, oui. Parce que là aussi, c'est pas très très amusant ce qui se passe encore, qui tourne vers la Turquie et le Moyen-Orient, qui entre dans la mer Rouge et qui arrive jusqu'au Golfe. Tout cela oblige tous les États responsables à faire quelque chose. Je vous ai donné ma vision de l'instabilité et d'où cela commence aujourd'hui. Et comme vous voyez, il faut vraiment trouver le moyen de mettre ensemble plusieurs États, plusieurs protagonistes, plusieurs acteurs. Monsieur Ricardo Cessa, vous nous disiez à l'instant, je vous ai donné ma vision de l'instabilité du monde. Mais quel serait, selon vous, le facteur de stabilité aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. Vous savez, moi, je crois qu'il faut être un peu idéaliste. J'ai mentionné tout à l'heure... Nous l'avons été, je ne faisais pas partie de ce monde. Le monde l'a été au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Monsieur Ricardo Cessa, idéaliste. Mais justement, alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir la modestie de reconnaître que nous devons revenir à nos débuts. Vous proposez de retourner à l'école. Eh bien voilà, j'aime cette image. Mais le problème très grave, alors je reviens à mes réflexions sur la leadership. Quand nous étions à l'école, nous avions des maîtres, des professeurs qui étaient sortis d'une guerre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont seulement étudié la guerre, mais ne l'ont jamais vécu. Monsieur Ricardo Cessa, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vous souhaite, et je le souhaite aussi à tous ceux qui vous écoutent, normalement et en ce moment, tout le mieux de ce monde. Votre pays est un pays très important, qui a toujours joué un rôle très important. Notre ministre de l'Université a signé avec votre ministre Kamel Badari un accord très important pour renforcer la coopération scientifique entre nos deux pays. Nous devons penser au futur pour pouvoir nous engager à un aujourd'hui meilleur. Inch'Allah. Monsieur okay. Merci beaucoup, Monsieur Ricardo Cessa, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Face à une hégémonie qui prend confortablement place, les États
tente par divers moyens de s'immuniser. C'est ainsi qu'après sa réélection, Vladimir Poutine a procédé à de nouvelles nominations. La plus commentée est sans nul doute le remplacement du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, par André Belousov, ancien vice-premier ministre. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, explique les raisons de ce choix. Aujourd'hui, sur le champ de bataille, celui qui l'emporte, c'est celui qui est le plus ouvert à l'innovation. Et donc, il est naturel qu'au stade actuel, le président ait décidé que le ministère de la Défense devrait être dirigé par un civil. D'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement d'un civil, mais d'un homme qui a dirigé le ministère du Développement économique de la Russie, qui a longtemps été l'assistant du président pour les questions économiques. Faut-il voir dans cette démarche un renforcement des lignes stratégiques mises en place par la Russie pour atteindre ses objectifs politiques? Élément de réponse avec notre invité à partir de Moscou, M. Dmitri Babych. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes analyste politique des relations internationales et de l'histoire politique moderne de la Russie. Monsieur Dmitri Babych, comment interpréter le choix de Vladimir Poutine? Vous savez, j'ai interviewé M. Shoigu maintes fois depuis la période quand il était le chef du ministère pour les désastres, le ministère de prévention des désastres. Je lui connais depuis 30 ans. Je peux vous dire qu'il est un très bon administrateur, mais il n'est pas une personne qui sait avoir une vision de futur. Mm-hmm. Et malheureusement, maintenant, Moscou, la Russie, pendant cette guerre en Ukraine, on a besoin, pas d'un technicien, on a besoin de quelqu'un qui sait voir ce que les Anglais appellent la big picture, qui sait voir le cadre de cette bataille majeure entre le sud global, duquel la Russie est un pays membre, et de l'Occident. Mmh. Malheureusement, on ne voulait pas cette guerre. Mais malheureusement, ce qui se passe en Ukraine maintenant, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Mais la Russie soutenue par la Chine, oui, soutenue par l'Iran, est soutenue par le Sud global diplomatiquement. On se sent dans le même camp avec les Palestiniens, avec les Iraniens, avec les Chinois, avec tous les oppressés du monde aujourd'hui qui se lèvent contre ses anciens maîtres, c'est-à-dire l'Occident colonialiste. Monsieur Dmitri Babych, tout de même, Sergueï Shoigu a occupé le poste de ministre de la Défense pendant plusieurs années. Il a occupé ce poste depuis 2012, précisément, c'est-à-dire quelques 12 années. Comment, aujourd'hui, dire ou comprendre que Shoigu, au final, n'a pas la connaissance, on va dire, de la chose militaire? Mais écoutez, le ministre de Défense, c'est pas quelqu'un qui organise la bataille. C'est pas quelqu'un qui donne des ordres aux troupes. Le ministre de Défense, c'est la personne qui doit organiser l'aide de l'économie à l'armée. La personne qui va remplacer M. Shoigu, Andrei Belousov. C'est ça. Il était responsable, oui, il était responsable dans le gouvernement russe pour la prévention des effets négatifs des sanctions occidentales. Il a fait son travail magnifiquement. Vous savez, si du point de vue militaire, cette opération spéciale, comme elle était appelée au début, cette opération spéciale n'était pas un succès. Du point de vue économique, la Russie a résisté aux sanctions occidentales de manière absolument géniale. Et c'était le travail de M. Belousov. Donc, c'est très simple. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès qui remplace quelqu'un qui avait moins de succès. Vous parliez à l'instant, M. Dmitri Babych, du nouveau ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, un économiste, disons-le, sans expérience militaire. Andrei Belousov a été ou était vice-premier ministre, il a géré le budget de la Défense, mais aujourd'hui, qui prendra les décisions militaires? Je crois que ce sera le chef de l'état-major, Valéry Gerasimov, comme c'était avant. Et aussi, je voudrais attirer votre attention à ce fait. Monsieur Shoigu, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire d'éducation. Oui, il était le ministre de Défense pendant 12 ans, mais était un ministre civil. Oui, il est un général, parce qu'il était chef de service de ce ministère
de prévention des désastres. Oui. C'était une organisation militarisée. Oui. Mais son éducation n'était pas militaire. Il n'a pas fait son service militaire à l'armée soviétique quand il était jeune. Donc la Russie a une tradition que personne n'a pas notée à l'Occident. Tous nos ministres de défense depuis 2007, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires. Il y a une logique, il y a une logique à ça. Les militaires ont des amis, ils ont des connexions à l'intérieur de l'armée. Les militaires n'aiment pas réformer l'armée parce que ils sont une partie de l'armée. Il est très difficile de réformer quelque chose qui est une partie de toi-même. Voilà. Donc les militaires ne sont pas les meilleurs réformateurs. Et pour cette raison, depuis 2007, quand Poutine a nommé Anatoly Serdyukov, le ministre de défense, tous nos ministres de défense sont des civils. Et il avait beaucoup de succès parce que ils ont su réformer l'armée soviétique qui était très grande, qui a su vaincre dans la guerre contre le fascisme. Mais il y avait une certaine, conservatisme qu'il fallait vaincre, qu'il fallait arrêter. Et donc c'était fait pas pour les militaires eux-mêmes, mais par les civils, qui ont su introduire les réformes à l'intérieur de la machine militaire. Monsieur Dimitri Badic, est-ce qu'il faille considérer le limogeage de Sergueï Shoigu comme un limogeage? Faut-il le considérer comme une sanction? Non, je ne crois pas à cela, parce que Monsieur Shoigu était nommé le secrétaire, c'est-à-dire la tête du Conseil de sécurité. Oui. C'est un organe très important, c'est un organe qui décide s'il faut commencer une guerre ou non, quelles sont les menaces pour le pays. Donc, je ne crois pas que c'est vraiment un limogeage. Plutôt, il était nommé à une autre position. Aussi, n'oubliez pas, Shoigu est 68 ans. 68 ans et 12 ans dans la tête du ministère de Défense. Il faut du changement. Bien sûr, les militaires ne sont pas contents. À nul pays, il y a des militaires qui aiment les réformes. Parce que les militaires sont conservatifs par leur nature. Ils sont loyaux et conservatifs. Monsieur Dimitri Badic, ce changement procède en même temps que certaines arrestations. La Russie a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un haut responsable du ministère de la Défense, chargé des affaires humaines, dit-on. C'est la deuxième arrestation en moins des mois. Il s'agit de Yuri Kuznetsov. Est-ce que ceci a une relation avec les remaniements? Peut-être, parce que, bien sûr, quand on a la même personne pendant 12 ans dans la tête d'un ministère, bien sûr, il y a des amis. Bien sûr, il y a des liens. Bien sûr, il y a des conditions pour la corruption. Mais au moment, il n'y a que deux arrestations. C'est pas une tendance. C'est pas la catastrophe totale. Oui. Je crois que ces personnes, on va voir. Après le procès, on va voir si il est vrai toutes ces rumeurs qu'on entend à propos de ces deux personnes. Maintenant, bien sûr, il y a des rumeurs, parce que, comme dans tout pays, quand quelques généraux sont arrêtés, bien sûr, il y a des histoires, bien sûr, il y a des rumeurs. On s'attendait à ce que M. Alexei Dioumine soit ministre de la Défense. Il a servi au sein du FSB, puis il a intégré le service de sécurité présidentielle en 2012. Il est nommé chef adjoint de ce même service. Il devient chef adjoint du GRU en 2014. Qu'est-ce qui fait que le choix n'a pas été porté sur Dioumine, puisque même certaines sources indiquent qu'il serait l'éventuel successeur de Vladimir Poutine? Je ne crois pas dans ce jeu de successeur, parce que il y avait beaucoup de rumeurs à propos de cela. On disait que Shoigu pouvait être le successeur. On disait que peut-être, vous savez, avant c'était Dmitri Medvedev qui était le successeur. Non, je ne crois pas cela. Je crois que ça dépend de la situation, ça dépend de l'élection. Je ne crois pas que juste après l'élection qu'il a porté avec 87% de voix, Vladimir Poutine va chercher un successeur. Attendons 5 ans. Peut-être on va savoir après. Oui. Mais la raison pourquoi c'est Belousov qui est en tête du ministère de Défense. Je vais vous citer un fait. Oui. C'est très important. Donc, Shoigu, par son éducation, il est un ingénieur de construction. Oui. Et Belousov, par son éducation, il a terminé l'université de Moscou, le Lomonossov, oui, qui est le plus prestigieux
institution éducative en Russie. Et par sa spécialité, il est un économiste mathématicien, économiste cybernétique. Monsieur Belousov est un intellectuel de premier degré. Mmh. Donc je crois que la logique de Poutine, c'était il faut avoir quelqu'un avec une vision, il faut avoir un vrai intellectuel, un vrai professionnel, et pas quelques techniciens qui est peut-être très loyal, qui est peut-être très sympathique comme une personne. On connaît l'amitié personnelle entre Poutine et Shoigu, mais pour définir le futur du pays, oui, c'est pas l'amitié qui est le plus important pour Poutine. Plutôt, les qualités professionnelles, l'intellect et, oui, les raisons politiques, la popularité. Monsieur Dimitri Badic, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci, à très bientôt. Dimitri Badic est analyste politique des relations internationales et de l'histoire politique moderne de la Russie. Et il était avec nous à partir de Moscou. Le quotidien allemand Die Welt a rendu public un document sur les négociations menées entre la Russie et l'Ukraine en mars 2022 pour mettre un terme au combat. Il est question d'accord sur les conditions de la fin de la guerre. Le texte était en effet sur le point d'être signé par Kiev et Moscou. Il ne restait à négocier que des points qualifiés de secondaires et qui devaient être discutés directement lors d'un sommet entre Vladimir Poutine et Zelensky. Boris Johnson avait alors convaincu Zelensky de ne pas accepter l'accord, une tradition d'allié qui se poursuit puisque tout récemment, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la couronne, James Cameron, promettait un don d'armes le plus important à l'Ukraine. Je pense que le programme que nous avons annoncé était important, non seulement parce qu'il s'agissait du plus grand programme de don d'armes que nous ayons réalisé jusqu'à présent, mais aussi parce qu'il stipulait que ces 3 milliards de livres sterling n'étaient pas destinés uniquement à cette année, mais aussi à l'année prochaine, l'année suivante, et autant d'années que nécessaire. Tout comme nous avons été les premiers à fournir des armes, à assurer la formation, à conclure l'accord de sécurité, nous avons été les premiers à mettre en place ce programme pluriannuel, car je pense que nous pouvons l'utiliser non seulement pour vous aider, mais aussi pour dire à d'autres pays, voici le futur programme pluriannuel qui montrera à Poutine que nous ne nous laisserons pas faire et que nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Je tenais à le dire. Avec nous en ligne, Monsieur Eric Denessé, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur le renseignement spécialiste de l'intelligence économique. Monsieur Eric Denessé, quelles sont les parties au final, qui ont empêché la signature de cet accord? Eh bien, ce sont principalement les Occidentaux et en premier lieu les Britanniques, je dirais sur ordre des Américains, puisqu'on sait depuis longtemps, depuis plus d'un an, que cet accord était quasiment signé, que les deux parties ukrainiennes et russes en étaient à la 8e version du document. Seuls quelques points devaient être encore décidés entre les deux chefs d'État, Zelensky et Poutine. Il faut préciser que, au dernier moment, Boris Johnson s'est précipité à Kiev et a dit à Vladimir Zelensky qu'il ne devait pas signer cet accord, que les Occidentaux l'aideraient à conduire la guerre contre la Russie et qu'en aucun cas ils ne devaient accepter de telles conditions. Donc finalement, les Américains, les Britanniques en premier lieu, sont très largement responsables du nombre de morts que l'on connaît aujourd'hui des deux côtés, et pas seulement du côté ukrainien, parce que ce conflit aurait pu se terminer au bout de 6 semaines. D'ailleurs, les deux parties y avaient un véritable intérêt. Un certain nombre d'Ukrainiens ayant participé à ces négociations reconnaissent même aujourd'hui qu'en aucun cas aujourd'hui Kiev ne pourrait avoir des conditions aussi favorables. Est-ce que l'on doit comprendre que Boris Johnson a été mandaté pour stopper cet accord? Bien sûr, c'est très très clair. De la même manière que Boris Johnson est probablement l'un des dirigeants occidentaux les plus va-t-en-guerre contre la Russie, encore plus que les États-Unis d'ailleurs et que la Pologne. Il faut rappeler dans quel contexte évoluait Boris Johnson. Il était extrêmement chahuté par son propre parti en Grande-Bretagne et en même temps c'est d'une certaine manière l'auxiliaire des États-Unis et donc c'est lui qui s'est chargé d'aller porter cette information à Kiev. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que ces négociations avaient lieu notamment par l'intermédiaire de Naftali Bennett, Premier ministre israélien, et par les Turcs, puisqu'ils avaient lieu à Istanbul, et que aussi bien Bennett que le ministre des Affaires étrangères d'Erdogan ont confirmé les faits selon lesquels, effectivement, on était le 30 avril quasiment arrivé à un accord entre les deux pays.
Alors, ce sont des négociations qui avaient duré, rappelons-le à nos auditeurs, un peu plus d'un mois. Vous expliquez dans l'un de vos entretiens que Naftali Bennett, comme vous le disiez à l'instant, l'ancien ministre israélien, y avait joué un rôle. Lequel était-il de façon substantielle ? Eh bien, de manière très intéressante, les Israéliens étaient très très méfiants de la part des Ukrainiens, parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils connaissaient bien ce pays et qu'ils savent que même si les principales mafias qui existent en Ukraine sont des mafias dirigées par des personnes de religion juive, ils n'avaient aucune intention d'accueillir chez eux les Ukrainiens dont ils savaient, parmi lesquels ils savaient qu'il y avait beaucoup de criminels. La deuxième chose qui avait beaucoup choqué les Israéliens au début du conflit, c'est quand Zelensky a fait son discours devant la Knesset en comparant ce qui se passait en Ukraine à la Shoah, et là les Israéliens ont trouvé que c'était totalement démesuré. Donc ils étaient encore à l'époque relativement neutres entre les deux camps, parce qu'il faut rappeler qu'ils sont obligés aussi de composer avec les Russes qui sont présents en Syrie. Donc ça explique pourquoi Naftali Bennett a accepté de jouer le go-between avec d'ailleurs, l'assentiment de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Que gagnait l'Occident à faire capoter cet accord ? Alors, d'abord, je crois que quand on parle de l'Occident, et que ce sont d'abord les Britanniques, et qu'après tous les autres les suivent de manière assez servile, malheureusement. Mais écoutez, la stratégie américano-occidentale, elle était claire. C'était, ils pensaient faire chuter la Russie, l'affaiblir durablement. Moscou avait connu quelques déboires au moment de son opération spéciale, qui ne s'était pas passé exactement comme ils le pensaient. Ils s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir lancer une contre-offensive, repousser les Russes, et finalement leur imposer un traité négatif. Ils se sont totalement trompés sur le sujet, et ils ont contribué à faire des centaines de milliers de morts et à transformer l'Ukraine en un pays totalement dévasté. Monsieur Éric Dénessé, vous vous interrogez, vous vous demandez, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est de savoir qui a transmis ce document à Die Welt. Oui, parce qu'effectivement, les Russes ont dit qu'ils ne révéleraient jamais ce document, mais... Donc je pense maintenant que ce sont les Ukrainiens, et notamment l'entourage de Zelensky, qui commence à être véritablement agacé, épuisé par cette guerre, et qui mesure pleinement qu'elle aurait pu être évitée, ou en tout cas arrêtée au bout de 6 semaines. Oui. Ce qui est très amusant, c'est que quand on regarde la chronologie de la révélation de ce papier, il a été publié pour la première fois, enfin il a été évoqué pour la première fois, au courant février, pas dans la presse américaine. Mm-hmm. Le Wall Street Journal en a parlé, mais bon, ça n'a pas fait la une, parce que je pense que les Américains ne voulaient pas être ceux qui révélaient les textes. Et puis on a vu petit à petit, il est sorti dans la presse suisse, il est sorti, on en a parlé dans la presse belge aussi, oui. Et puis au mois d'avril, les Allemands en ont parlé, et le 15 mai seulement, les Français se mettent à en parler. Donc vous voyez, plus de 3 mois après qu'on ait commencé à l'évoquer aux États-Unis. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit par ailleurs, hein, même si toute cette presse en a parlé. Oui, mais bien sûr, ça ne fait pas de bruit, parce que ça va à l'encontre de ce que les médias politiquement corrects ne cessent de marteler depuis des années maintenant, voulant faire porter toute la responsabilité du conflit sur la Russie. Le simple fait que cet accord, dans lequel les Russes accordaient des conditions tout à fait correctes aux Ukrainiens, il faut rappeler que dans ce rapport, Vladimir Poutine ne met pas d'opposition à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Il demande seulement que le pays accepte une neutralité et ne soit pas membre de l'OTAN. Donc voilà, il est même prêt à procéder à un certain nombre de terres que l'armée russe occupait. Donc il y avait une véritable avancée. Donc on cherche bien sûr à noircir Poutine quoi qu'il fasse. C'est aussi pour ça que les médias occidentaux ne parlent pas suffisamment de la véritable teneur de ce rapport. Monsieur Éric Dénessé, les Russes étaient au courant du contenu de ce rapport, avaient des éléments d'information. Pourquoi avoir caché ces informations ? Ça aurait été dans leur intérêt que de les divulguer ? Oui, mais je crois que côté russe, ils ont compris depuis longtemps que quoi qu'ils fassent, de toute façon, le monde médiatique occidental soit ne relayerait pas les informations, soit les déformerait. Et je pense que quasiment depuis le début du conflit, les Russes ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre de l'information contre l'Occident en Occident. Par contre, leurs actions sont beaucoup plus efficaces ailleurs que dans le monde occidental. Donc ils en ont pris leur parti. Ils savent que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font va être déformé et va être de toute façon détourné de l'objectif qu'ils avaient. J'interroge votre expérience de l'information en elle-même. Qui a intérêt à divulguer ces informations et pourquoi maintenant ?
Maintenant, c'est un petit peu normal parce que on voit que le front est en train progressivement de craquer, même s'il n'y a pas d'avancée majeure de la part de l'armée russe, mais c'est plus l'armée ukrainienne qui recule, qui s'effondre. On voit de plus en plus de commandants qui refusent d'obéir aux ordres ou de troupes qui se rendent. Donc, je pense que les Ukrainiens commencent véritablement à sentir que les choses sont en train de très mal se dérouler pour eux. En plus, l'aide occidentale a été très très lente à être déclenchée et les 61 milliards de dollars que les Américains ont finalement consenti à voter vont mettre des mois à arriver sur place. Donc voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de dissensions, voire d'opposition en interne dans le gouvernement Zelensky, raison pour laquelle ce texte de négociation, ce document des négociations est aujourd'hui rendu public par Kiev. Tout récemment, une aide militaire financière a encore une fois été attribuée à l'Ukraine. Donc ça n'a pas eu, on va dire, l'effet escompté. Mais c'est-à-dire qu'elle a été votée très récemment, c'est-à-dire qu'entre le moment où on décide d'une aide, le moment où on libère les fonds et la manière dont ça va se transformer en matériel militaire, tout ça va prendre des mois. En plus, quand on regarde le montant de l'aide, il y a d'abord de l'argent qui va être donné au gouvernement ukrainien pour qu'il développe lui-même une partie de son industrie et qu'il paye ses soldats. Ensuite, il y a beaucoup de fonds qui sont destinés à la logistique. Et en réalité, la part consacrée aux munitions, au matériel militaire n'est pas si importante que ça. De toute façon, elle va mettre des mois à arriver. Et à court terme, ça ne va rien changer sur le terrain. Monsieur Éric Dénessé, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Éric Dénessé, directeur du Centre de recherche sur le renseignement, spécialiste de l'intelligence économique. Le double standard dans la pratique des relations internationales est une conduite actée. La guerre en Ukraine ne l'a pas plus révélée que précédemment. Celle-ci, cette guerre, ne fait rien de plus que confirmer un état de fait, une sorte de réactif qui met en lumière l'incapacité des États à préserver la paix, leur incapacité de transcender leurs intérêts épars au profit de l'humanité tout entière. S'en offusquer aujourd'hui, c'est blanchir les auteurs, les financiers, les soutiens, les partisans, les théoriciens de ces guerres ignobles construites sur des prétextes fallacieux, leur permettre de nous transformer en un fond de vieille corbeille usée dans laquelle, dans un tour de poignée, ils y jettent leurs abjects desseins pour passer à d'autres. Au-delà de la contestation et des condamnations que cette guerre suscite, ce conflit a mis en évidence le deux poids deux mesures. Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies, observés debout à l'initiative du président Abdullah Shahid à l'ouverture d'une très rare session extraordinaire d'urgence, une minute de silence. I now invite representatives to stand and observe 1 minute of silent prayer or meditation. Thank you. Cette minute aurait pu être largement saluée si cette noble instance avait fait autant, ou moins, plutôt que pas du tout, pour le 1,5 million de morts en Irak, pour les centaines de milliers de tués en Afghanistan, pour les 16 millions de Yéménites qui ont faim. A définitivement scindé le monde, le résumant à un échange d'intérêts gagnant-gagnant. Vous êtes heureux d'utiliser les termes les plus forts pour décrire les crimes de Vladimir Poutine contre l'humanité. Mais vous n'utilisez pas le même langage pour dénoncer les crimes d'Israël contre les Palestiniens. Brutal, inhumane persecution of the Palestinian successive assault. Un traitement brutal et inhumain sur des décennies fait de persécutions et de violences contre les Palestiniens de Gaza. Des procédés d'apartheid systématiques. Vous n'utilisez jamais le terme apartheid. Ainsi faisant et appliquant au pied de la lettre la règle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky invitait les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour, je cite, « combattre l'armée russe ».
Nous sommes seuls à défendre notre pays. Qui est prêt à se tenir aux côtés de l'Ukraine pour lutter contre la Russie? Honnêtement, tout le monde a peur. La porte était ainsi ouverte aux combattants que ces mêmes politiques qualifiaient il y a encore de cela très peu de temps de combattants illégaux. Je suis ce conflit depuis 2014. Depuis, ça s'est intensifié. Je me suis donc dit que je devrais venir ici pour aider le peuple ukrainien. Aujourd'hui, l'Ukraine est la ligne de front de la lutte pour la démocratie, du combat pour l'idéologie occidentale. La guerre n'est rien de plus que l'expression d'un échec, sinon la mise à nu d'une faillite, des organisations, des hommes, des gouvernements incapables d'agir et d'empêcher d'agir autrement que par les armes. Il y va de soi que chaque victime, quelles que soient ses croyances ou son appartenance, est une victime de trop. Sa mort ne peut être que condamnable, à tout point de vue condamnable. Ceci est la règle. Le fondement même de l'humanité. Ce programme a le pouvoir de changer le monde. Et pourtant, en 2014, le monde s'est réveillé sur les notes d'un clairon différent, mis en musique par des sociétés dites de sécurité. Des journaux allemands affirmaient que 400 mercenaires de l'ancienne société américaine Blackwater, the company formerly known as Blackwater will aujourd'hui appelée Academy, auraient débarqué en Ukraine pour mener, je cite, des opérations punitives contre les séparatistes de l'Est du pays. Le journal Bild citait à cet égard des sources provenant du renseignement allemand. Der Spiegel précisera de son côté que l'information aurait même été livrée au service allemand par les services secrets américains, sans doute mécontents de voir le recours systématique à des mercenaires. Nous sommes en direct avec Bruno Delamotte, président de la société Risk & Co. Bonjour. Bonjour. Bild confirme à peu près 400, je vais les qualifier de mercenaires, de l'entreprise américaine Academy sont actuellement en Ukraine. Ils aident et assistent les soldats de l'armée ukrainienne dans des opérations contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays et notamment autour de Slaviansk. Ils font partie d'une société, cette société Academy, qui était plus connue sous son ancien nom, Blackwater. C'est bien cela, Bruno Delamotte ? Tout à fait. Qui sont probablement en Ukraine pour des missions de formation et de protection de cadres ukrainiens de haut niveau. Rappelons que la guerre en Irak a été le premier conflit durant lequel de grandes opérations militaires ont été entièrement sous-traitées à des entreprises privées, donnant lieu à de nombreuses polémiques, qu'un simple changement d'appellation a étouffé dans l'œuf. Blackwater devenait Academy et l'ardoise était ainsi effacée. Nul ne peut dédouaner quiconque ou légitimer des actes de guerre, mais, car le mais se fait pressant, les écarts dans le traitement des situations fortement similaires et pour le moins symptomatiques et dépassent l'entendement. Au-delà de la contestation et des condamnations que cette guerre ressuscite, celle-ci a mis à nu la laideur d'un monde déshumanisé. Ce conflit a fait sortir les loups des bois. L'émergence de l'extrême n'était plus juste un propos de circonstance lié à une quelconque élection qu'il faut contrer en brandissant des hypothèses ronflantes. Cette guerre a démontré qu'aujourd'hui, les règles établies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour un monde plus juste n'ont hélas plus droit de citer. Cette guerre a mis à nu la laideur d'un monde déshumanisé, fragmenté, nourri par des instincts et des alliances à peine tribales. Un monde où ne compte que la puissance sonnante et trébuchante. Le reste n'est que littérature. Participer à ce programme, Riccardo Cesa, diplomate italien, actuellement président de la Société italienne pour l'organisation internationale. Dimitri Babic, analyste politique des relations internationales et de l'histoire politique moderne de la Russie. Eric Dénessé, directeur du Centre de recherche sur le renseignement. L'histoire
L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli, Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.